Un coucou spécial à vous, mes chers amis, les téléspectateurs. C'est bien Génie d'été, votre détente informative, votre rencontre avec la connaissance, la formation, la distraction qui rentre chez vous. Bonjour à vous, mon public. J'espère que vous allez bien. Pratiquement, nous sommes dans l'antichambre de la grande finale de Génie d'été 2021, puisqu'aujourd'hui, c'est le premier match de la demi-finale de Génie d'été 2021. Alors, pour ce premier match de cette demi-finale, nous avons la paroisse Saint-Pierre de Pétionville et la paroisse Saint-Jacques de Fermat. Pour la paroisse Saint-Jacques de Fermat, nous avons comme capitaine Walker Princeton, que je vous demande d'applaudir. Kemli Kaira Morisseau, Gassi Bréville, Karina Jérinien, Tara Winjin Théano. Et pour la paroisse Saint-Pierre, nous avons comme capitaine Christophe Valentin. Christophe est avec Sylvana Christiforge, Yvenette Mervius, Nesvan Contant et en tout dernier lieu, Stanley Laguerre. Toujours des applaudissements pour ces amis qui supportent la première édition de Génie d'été. Il s'agit bien de la Radio Télé Soleil, du Bureau diocésain de l'éducation, Elistor, la Caisse populaire de la Caridad, l'institution Marguerite Diouville, Soko CRSA, Cybelle Haïti, l'hôpital Saint-François de Sales, la paroisse Immaculée Petite Maman Marie, et bien sûr, l'école diocésaine de Thomas. Pour n'avoir besoin de tarder, nous allons déterminer quelle équipe aujourd'hui aura à répondre aux premières questions du match. J'appelle les deux capitaines. Capitaine Walker, capitaine Chris Love, on va faire la petite causerie après. Mais qui est tonton à présent et qui est Palmis? Walker est tonton, donc Christophe est palmiste. Walker, bien sûr, le capitaine de la paroisse, de l'équipe de la paroisse Saint-Jacques. Et Christophe, bien, le capitaine de l'équipe de la paroisse Saint-Pierre. Nous allons voir. Et c'est bien tonton qui va répondre aux premières questions du match aujourd'hui. Donc, la paroisse Saint-Jacques de Fermat. Vous pouvez reprendre vos places. Je peux sentir que le stress est là. Je peux sentir vraiment que le stress est là. Alors, chers téléspectateurs, nous allons observer cette courte pause pour vous, mais également pour mes chers participants qui sont là. Le temps qu'ils se ressourcent, le temps qu'ils se préparent mentalement pour le premier match de cette grande demi-finale de Génie d'été. Je vous reviens tout de suite après. Ce qui se dit, ce qui se fait sur Télésoleil s'entend et se voit sur tout le territoire national. Dans le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, l'Artibonite, le Centre, l'Ouest, le Sud-Est, l'ENIP, le Sud et la Grand'Anse sur le bouquet de Canal+. Désormais, le soleil se lève partout. L'année 2021, Télésoleil fête ses 12 ans. Et depuis le 12 janvier, les fidèles catholiques ont la possibilité de nous regarder sur la chaîne 184 de Canal+. Le soleil se lève partout. Nous sommes de retour après la pause. Vous suivez le premier match de la demi-finale de Génie d'été 2021. Alors, pour ce match, comme je l'avais déjà dit avant la pause, nous avons la paroisse Saint-Pierre de Pétionville et également la paroisse Saint-Jacques de Fermat. Je vous rappelle que la paroisse Saint-Pierre a eu un total de 90 bons points et la paroisse Saint-Jacques de Fermat a eu un total de 72 points. Et encore une fois, je vous demande de les applaudir.
Ce sont des efforts bien mérités. C'est grâce à ces efforts, grâce à tout ce travail, qu'ils ont pu être là aujourd'hui pour cette demi-finale. Alors, avant de commencer, dis-moi, Christophe, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, Sarika? Ça va, merci. Dis-moi, avec quel sentiment tu es là pour cette demi-finale? Sentiment de joie. Joie. Seulement ça. Oui, tu n'es pas stressé. La gaieté, tout. Non, je ne suis pas stressé. Tu n'es pas stressé. Non. On va voir. J'aimerais bien parler aux autres participants aujourd'hui. Monsieur Laguerre, salut Laguerre, comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Avec, est-ce que tu n'es pas stressé? Comment tu te sens? Bon, très bien. Très bien, cool. Salut Laguerre, se sent très bien. Oui, oui, cool. Et qui est-ce qui est là? Est-ce que c'est Sylvana? Est-ce que c'est Yvenette? C'est Yvenette. Yvenette, comment vas-tu? Ça va, merci. Et ça va, merci. Ça va, merci Yvenette. Comment tu te sens? Bon, elle ne sait pas comment elle se sent, elle ne sait pas. Bon, je peux comprendre. Je ne suis pas stressée. Tu n'es pas stressée. On est là. Nous, juste là. À ma droite, la paroisse Saint-Jacques, cher capitaine Walker Princeton, dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Et pour toi, Sarika? Je vais bien, merci. Tu n'es pas stressée. Avec quel sentiment tu es là? Premier match, demi-finale. On est là avec un sentiment de fierté et... un peu stressé. Un peu stressé, mais ils sont quand même fiers. Ouais. Kemli Kaira, comment vas-tu? Ça va, merci, ça va, il fallait toi. Et ça va, merci, tu n'es pas trop stressé, ça va bien. Bon, je suis neutre. Kemli est neutre. Elle ne sait pas si elle est stressée, elle ne sait pas si. Elle ne sait pas. Et c'est Gasti Breville. Il faut m'applaudir, je connais les noms à présent. Sans faute, j'ai dit tous les noms, sans faute. Comment vas-tu, Gasti Breville? Ça va, madame, et vous? Madame, je n'aime pas madame Gasti Breville. Hein? Ça. Ça va, Saraïka. Saraïka, c'est je ne connais pas ton nom. Non, Saraïka. Tu ne connais pas mon nom et moi, je connais ton nom. Comment ça se fait? Hein? Bon. Ça peut arriver. Oui. Mais ça va bien, tu n'es pas stressé. Et tu es également fier comme le capitaine. Oui. Bon. On va gagner. Ils vont gagner. On les applaudit, s'il vous plaît, pour les encourager. Les dés sont jetés. Le match aujourd'hui va commencer. Les premières questions seront répondues aujourd'hui par la paroisse Saint-Jacques. J'espère que vous êtes prêts. Oui, on est prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Moi également, je suis prête. Première rubrique, Bible et religion. Quelle fut la date de l'ordination épiscopale de Monseigneur Ducange Sylvain? Quelle fut la date complète de l'ordination épiscopale du Monseigneur Ducange Sylvain? C'est une question à réponse unique. Vous avez droit à deux essais. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Aucune réponse. Est-ce que Saint-Pierre veut essayer? 26 août 2016. C'est malheureusement pas la bonne réponse. Mais au moins quel point, petit virgule, disons, c'est bien le 27 août 2016. Bel effort. Mais ce n'est que le début. On va voir. On peut quand même les applaudir. 27 août 2016, c'est bien la date de l'ordination épiscopale de Monseigneur Ducange Sylvain. Première question officielle pour vous, paroisse Saint-Pierre. Citez trois des sept livres deutérocanoniques dans la Bible, considérés comme apocryphes pour les protestants. Citez trois des livres deutérocanoniques dans la Bible, considérés comme apocryphes par les protestants. Protestant. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Vous avez droit à deux essais. Maccabée 1 et 2, Siracide. C'est une bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre.
On y va. On continue. Je peux comprendre. Le public est très content, hein? Vous êtes contents, les amis de Saint-Ville? Je dois bien prendre mon temps pour poser les questions aujourd'hui, hein? Bien allonger mes lunettes. Paroisse Saint-Jacques, question pour vous. Je dois également vous dire, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, il n'y a pas 3 questions par rubrique, mais bien 5 questions. Donc, 5 questions Bible et religion, 5 questions, ça c'est mathématiques, 5 questions, un tas de 5 questions. Question pour la paroisse Saint-Jacques. Quels sont les 3 premiers pays qui contiennent beaucoup plus de catholiques dans le monde? Quels sont les 3 premiers pays qui contiennent beaucoup plus de catholiques dans le monde? C'est une réponse. Alors, c'est une question à réponse unique. Vous avez droit à 2 essais. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Argentine, Italie, Israël. Mauvaise réponse, une autre? Saint-Pierre, vous avez une réponse? C'est bien, j'aimerais essayer. Italie, Espagne, la France. Italie, Espagne, la France, malheureusement, mauvaise réponse. Il s'agit bien de la Pologne, 92% de catholiques. Mexique, 85% de la population est catholique. L'Italie, 83% de la population est catholique. Nous continuons. À présent, c'est la 2e question de la paroisse Saint-Pierre. Vous êtes prêts? Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Vous avez droit à 2 essais. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. L'apôtre Saint-Paul. Une autre réponse? Saint-Pierre. Saint-Jacques, vous voulez essayer? Oui. Dis-moi, Saint-Jacques. C'est quoi ta réponse? Saint-Jean. Saint-Jacques, ce n'est pas Saint-Jean. L'ironie, c'est que l'épître aux Hébreux est d'un auteur inconnu. Le public avait la réponse. On applaudit, s'il vous plaît, le public. On continue, 3e question pour la rubrique Bible et religion. Question pour la paroisse Saint-Jacques. La 34e journée mondiale de la jeunesse, JMJ, a été réalisée en Pologne 2015, à Lisbonne 2011, à Panama 2019. La 34e journée mondiale de la jeunesse, JMJ, a été réalisée petit a en Pologne en 2015, petit b à Lisbonne en 2011, petit c à Panama en 2019. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit c, Panama. Petit c, Panama, 2019. Une bonne réponse, elle les applaudit. Question à présent pour la paroisse Saint-Pierre. Que signifie le nom de Jean dans la Bible? Que signifie le nom de Jean dans la Bible? Petit a, Dieu écoute. B, Dieu a fait grâce. C, Dieu pardonne. Que signifie le nom de Jean dans la Bible? Petit a, Dieu écoute. Petit b, Dieu a fait grâce. Petit c, Dieu pardonne. Chronomètre pour la paroisse Saint-Pierre. Je
Petit A. Petit A, tu écoutes, mauvaise réponse. Saint-Jacques, vous voulez essayer? Oui, on va essayer. Oui. Ils veulent essayer. Donnez-moi votre réponse, Saint-Jacques. Petit B, Dieu rend grâce. Petit B, Dieu fait grâce. C'est bien la bonne réponse pour Saint-Jacques. Quatrième question pour la paroisse Saint-Jacques. La journée mondiale de la jeunesse, JMJ, a été créée par le pape, petit A. Jean 23 en 1963. B. Jean-Paul II en 1984. C. Benoît XVI en 2005. D. François en 2013. La journée mondiale de la jeunesse, JMJ, a été créée par le pape, petit A. Jean 23, 1963. B. Jean-Paul II, 1984. C. Benoît XVI, en 2005. D. François, en 2013. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Jean-Paul II. Petit B. Jean-Paul II, en 1984. Bonne réponse pour Saint-Jacques. Quatrième question pour la paroisse Saint-Pierre. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean a écrit petit A 2 livres, B 4 livres, C 5 livres. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean a écrit petit A 2 livres, petit B 4 livres, petit C 5 livres. Chronomètre s'il vous plaît pour la paroisse Saint-Pierre. Petit C 5 livres. Petit C 5 livres. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Cinquième et dernière question, rubrique Bible et religion pour la paroisse Saint-Jacques. Dans le Nouveau Testament, combien d'épîtres sont dédiés à Jacques? Dans le Nouveau Testament, combien d'épîtres sont dédiés à Jacques? Petit A, une épître. Petit B, quatre épîtres. Petit C, trois épîtres. Dans le Nouveau Testament, combien d'épîtres sont dédiés à Jacques? Petit A, une épître. Petit B, quatre épîtres. Petit C, trois épîtres. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit A, une épître. Petit A, une épître. Bonne réponse. Non mais là, vous êtes de Saint-Jacques. Pour ne pas d'avoir combien épîtres Saint-Jacques gagne, ce serait grave, hein? Dernière question, rubrique Bible et religion pour la paroisse Saint-Pierre. Quel est le nom du plus jeune apôtre de Jésus? Quel est le nom du plus jeune apôtre de Jésus? Petit A, Pierre. Petit B, Jacques. Petit C, Jean. Quel est le nom du plus jeune apôtre de Jésus? Petit A, Pierre. Petit B, Jacques. Petit C, Jean. Chronomètre pour mes amis de Saint-Pierre. Petit C, Jean. Petit C, Jean, bonne réponse pour la paroisse. Nous allons continuer avec le match. Je n'ai pas encore donné la rubrique, vous ne pouvez pas me dire changement, hein? À présent, rubrique histoire et connaissance générale. Il n'y a pas de changement? Oui, oui. Ok, il y a un changement. Ok, je savais déjà qu'il y avait un changement. Faites le changement, c'est bien. Qui monte, qui descend? Bienvenue, Sylvana. Au revoir, Yvenette. Saint-Jacques, il n'y a pas de changement? Oui. Il y a un changement. Gassi descend et Karina. Au revoir, Gassi. Bienvenue, Karina. Vous êtes OK? Oui, ça on va. Peut continuer. Rubrique histoire et connaissance générale.
Les premières questions, bien sûr, elles seront répondues par la paroisse Saint-Jacques de Fermat. Première question. Qui fut le premier poète haïtien? Qui fut le premier poète haïtien? Petit A, Antoine Dupré. B, René Despestre. C, Oswald Durand. Qui fut le premier poète haïtien? Petit A, Antoine Dupré. Petit B, René Despestre. Petit C, Oswald Durand. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit C, Oswald Durand. Petit C, Oswald Durand. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Histoire et connaissance générale. Première question pour la paroisse Saint-Pierre. Qui fut la première poétesse haïtienne? Qui fut la première poétesse haïtienne? Petit A, Virginie Sans-Peur. B, Emily Prophète. C, Ida Faubert. Quelle fut la première poétesse haïtienne? Petit A, Virginie Sans-Peur. B, Emily Prophète. C, Ida Faubert. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Petit A, Virginie Sans-Peur. Petit A, Virginie Sans-Peur. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. On continue avec les questions. Question à présent pour la paroisse Saint-Jacques. Quel pays était appelé l'archipel des sept sœurs? Quel pays était appelé l'archipel des sept sœurs? Petit A, Seychelles. Petit B, Estonie. Petit C, Finlande. Quel pays était appelé l'archipel des sept sœurs? Petit A, Seychelles. Petit B, Estonie. Petit C, Finlande. Chronomètre pour la paroisse Saint-Jacques. Petit C, Finlande. Petit C, Finlande. Mauvaise réponse. Saint-Pierre, vous voulez essayer? Saint-Pierre? Petit A, les Seychelles. Vous êtes sûr? On peut les applaudir, c'est une bonne réponse. Question toujours pour la paroisse Saint-Pierre. Quel pays était appelé le Pakistan oriental? Petit A, Pakistan. B, Afghanistan. C, Bangladesh. Quel pays était appelé le Pakistan oriental? Petit A, Pakistan. Petit B, Afghanistan. Petit C, Bangladesh. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Petit B, Afghanistan. Petit B, Afghanistan. Mauvaise réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Est-ce que Saint-Jacques a une réponse? Oui, on va essayer. Ils vont essayer. Donnez-moi votre réponse. Petit C, Bangladesh. Petit C, Bangladesh. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. On continue. Question à présent pour la paroisse Saint-Jacques. Dans quelle ville a été construit le premier métro? Dans quelle ville a été construit le premier métro? Petit A, Londres. B, Paris. C, Port-au-Prince. D, New York. Dans quelle ville a été construit le premier métro? Petit A, Londres. Petit B, Paris. Petit C, Port-au-Prince. Petit D, New York. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit A, Londres. C'est une bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Question pour la paroisse Saint-Pierre. Lequel des cinq sens manque au serpent? Lequel des cinq sens manque au serpent? Petit A, la vue. B, le goût. C, l'ouïe. Petit D, le toucher. Lequel des cinq sens manque au serpent? Petit A,
la vue, petit B, le goût, petit C, l'ouïe, petit D, le toucher. Chronomètre pour... Petit C, lui. Christophe était trop sûr de sa réponse. Petit C, Louis, c'est une bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Mais Christophe, il faut plus refaire ça. Hein? Il faut attendre le chronomètre. Attends-tu? Ok. Question pour la paroisse Saint-Jacques. Qui fut le premier noir et sa nationalité qui a remporté pour la première fois une médaille aux Jeux Olympiques? Qui fut le premier noir et sa nationalité qui a remporté pour la première fois une médaille aux Jeux Olympiques? Un Américain noir, John Patrick, petit B. Un Sénégalais, Fatoumatou Asla, petit C. Un Haïtien, Constantin Henriques. Qui fut le premier noir et sa nationalité qui a remporté pour la première fois une médaille aux Jeux Olympiques? Petit A, un Américain, John Patrick. Petit B, un Sénégalais, Fatoumatou Asla. Petit C, un Haïtien, Constantin Henriques. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse. Petit C, Constantin Henriques. Petit C, un Haïtien. Constantin Henriques, il est originaire de Port-de-Paix, c'était bien en 1900, c'est une bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Paroisse Saint-Pierre, quatrième question pour vous. Le stade dénommé Silvio Cator hérite son nom d'un... Le stade national nommé Silvio Cator hérite son nom d'un, petit A, ancien président haïtien pour ses réalisations, B, un ancien officier de l'armée qui a participé à la guerre de Tijuana, petit C, d'un homme littéraire couronné à l'étranger, petit D, d'un athlète en saut en longueur qui a gagné une médaille en argent aux Jeux Olympiques en 1928. Le stade national dénommé Silvio Cator hérite son nom d'un, ancien président haïtien pour ses réalisations, B, un ancien officier de l'armée qui a participé à la guerre de Tijuana, petit C, d'un homme littéraire couronné à l'étranger, petit D, d'un athlète en saut en longueur qui a gagné une médaille en argent aux Jeux Olympiques en 1928. Si ça va, chronomètre pour la paroisse Saint-Pierre. Petit D, un athlète en saut en longueur. Petit D, un athlète en saut en longueur qui a gagné une médaille en argent aux Jeux Olympiques en 1928. C'est une bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Question à présent pour la paroisse Saint-Jacques. Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart? Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart? Petit A, la France, B, Italie, C, Autriche, D, Allemagne. Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart? Petit A, la France, B, Italie, C, Autriche, D, Allemagne. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit B, Italie, mauvaise réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Saint-Pierre, vous vous laissez? Petit C, Autriche. Petit C, Autriche, bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Question à présent pour vous. Paroisse Saint-Pierre, dernière question pour cette rubrique. Quel peuple a inventé la poudre à canon? Quel peuple a inventé la poudre à canon? Petit A, les Français, B, les Chinois, C, les Américains, D, les Haïtiens. Quel peuple a inventé la poudre à canon?
Petit A, les Français. B, les Chinois. C, les Américains. D, les Haïtiens. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Petit B, les Chinois. Petit B, les Chinois. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Troisième rubrique pour le premier match de cette grande demi-finale, la rubrique géographie. Il n'y a pas de changement pour les équipes? Oui. Il y a un changement pour la paroisse Saint-Pierre. Qui est-ce qui monte? Sylvana, ça va, Nisvan. Au revoir, Sylvana. Bonjour, Nisvan. Elle a répondu à mon bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas de changement pour la paroisse Saint-Jacques? Il n'y a pas de changement pour la paroisse Saint-Jacques? Je vous attends, ça va? Ça va? Ok. Les premières questions du match d'aujourd'hui seront répondues par la paroisse Saint-Jacques. Première question, rubrique géographie. Dans quel département d'Haïti se trouve le barrage de Somaturine? Dans quel département d'Haïti se trouve le barrage de Somaturine? Petit A, sud, B, centre, C, nord, D, nord-est, nord-ouest, pardon. Dans quel département d'Haïti se trouve le barrage de Somaturine? Petit A, sud, petit B, centre, petit C, nord, petit D, nord-ouest. Je reprends pour vous. Dans quel département d'Haïti se trouve le barrage de Somaturine? Petit A, sud, B, centre, C, nord, D, nord-ouest. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit A, sud. Petit A, sud. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Question pour la paroisse Saint-Pierre. Quel pays fait partie de la péninsule des Balkans? Quel pays fait partie de la péninsule des Balkans? Petit A, Espagne. B, République démocratique du Congo. C, Brésil. D, Bulgarie. Quel pays fait partie de la péninsule des Balkans? Petit A, Espagne. B, République démocratique du Congo. Petit C, Brésil. Petit D, Bulgarie. Quel pays fait partie de la péninsule des Balkans? A, Espagne. B, République démocratique du Congo. C, Brésil. D, Bulgarie. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Petit D, Bulgarie. Petit D, Bulgarie. Bonne réponse pour la paroisse Saint-Pierre. Saint-Jacques. Question à présent pour la paroisse Saint-Jacques. De quel continent se trouve le lac Victoria? De quel continent se trouve le lac Victoria? Petit A, Amérique. B, Afrique. C, Asie. D, Europe. Dans quel continent se trouve le lac Victoria? Petit A, Amérique. B, Afrique. C, Asie. D, Europe. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petite Amérique, mauvaise réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Dans quel continent se trouve le lac Victoria? Petit A, Est-Amérique. B, Afrique. C, Asie. D, Europe. Vous voulez essayer, Saint-Pierre? Petit D, Europe. Petit D. Europe. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Le lac Victoria se trouve en Afrique, donc petit B. Question à présent pour la paroisse Saint-Pierre. Dans quelle commune se trouve le site Kounoubois? Dans quelle commune se trouve le site suivant? Kounoubois. Petit A, Campérin. B, Port-au-Prince. C, Croix-des-Bouquets. D, Maniche. Dans quelle commune se trouve le site Kounoubois? Petit A, Campérin.
B, Port-au-Prince. C, Croix-des-Bouquets. D, Maniche. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse. Petit D, Maniche. Petit D, Maniche, mauvaise réponse pour la paroisse. Saint-Jacques, est-ce que vous voulez essayer? Oui. Donnez-moi votre réponse, Saint-Jacques. Petit A, Campérin. Petit A? Campérin. Campérin? Bonne réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Paroisse Saint-Jacques, question pour vous. Quelle est la capitale et la monnaie du Rwanda? Quelle est la capitale et la monnaie du Rwanda? Vous avez droit à deux essais. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Capitale Kigali, monnaie, monnaie. Une autre réponse? Monnaie dollar, le capitale Kigali. Kigali, Wanda, Kigali, le dollar. Malheureusement, ce ne sont pas des bonnes réponses. Pour la paroisse Saint-Jacques, je ne sais pas si la paroisse Saint-Pierre veut essayer. Vous ne voulez pas essayer? Vous ne voulez pas essayer? Saint-Pierre? Kigali de la Wende. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La capitale, c'est bien Kigali. La monnaie, c'est le franc Wende. On va continuer avec la rubrique. On continue. Question à présent pour vous, Saint-Pierre. Quelle est la capitale et la monnaie de Laos? Quelle est la capitale et la monnaie de Laos? Vous avez droit à deux essais. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Pierre. Temps va s'écouler. Awa Saint-Pierre passe. Saint-Jacques, capitaine n'a fait un signe. Capitaine a besoin de mon réponse. On y va, capitaine. Bon, on va essayer. Mais pour la capitale, c'est Lesotho. Monnaie, c'est dollar. Ce n'est malheureusement pas la bonne réponse, Saint-Jacques. Capitale. Vientiane. Monnaie. Kip Laotien. Ni public, ni ça y OK, on continue. Question à présent pour Saint-Jacques. Dans quel département d'Haïti se trouve la ville de Plaisance du Sud? Dans quel département d'Haïti se trouve la ville de Plaisance du Sud? Petit A, Grand'Anse. B, Sud. C, Nip. D, Sud-Est. Dans quel département d'Haïti se trouve la ville de Plaisance du Sud? Petit A, Grand'Anse. B, Sud. C, Nip. D, Sud-Est. Chronomètre, s'il vous plaît, pour la paroisse Saint-Jacques. Petit D, Sud-Est. Petit D, Sud-Est. Mauvaise réponse pour la paroisse Saint-Jacques. Dans quel département d'Haïti se trouve la ville de Plaisance du Sud? Petit A, Grand'Anse. B, Sud. C, Nip. D, Sud-Est. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Vous pouvez quand même essayer. À Grand'Anse. Grand'Anse, malheureusement, ce n'est pas la réponse. La ville de Plaisance du Sud se trouve dans le département des Nip.